D'abord, pour remercier Charmant de cette invitation, de ce petit moment convivial, décontracté, qui nous réchauffe dans cette journée un petit peu humide. Voilà. Et pour saluer cette initiative de convier les commerçants, c'est une première rencontre. Et je pense qu'il évoquera mieux que moi, mais il va calmer les semaines qui viennent de cette rencontre. On remercie tous ceux qui sont venus. On va lui donner aujourd'hui la lettre de Nicolas Sarkozy au peuple français, qui nous reste quelques jours pour faire pénétrer la tâche dans les minutes, dans les fois libres, pour qu'on puisse porter ce message. Merci beaucoup de venir aussi régulièrement le 23 août. C'est vrai qu'on a, bien capté la ville du canton et au-delà. Et c'est important de accélérer le rythme dans ces situations. Et deux semaines avant, il y a plus encore deux semaines avant. Et voilà, c'est un rendez-vous. Je crois que Michel Tabarot aussi fera un rendez-vous ce matin à 11h à Vélo-Marc. Et c'est bien qu'on soit engagé sur le terrain que, à la demande de Jean-Pierre Lebleu, il y ait une équipe parfois qui soit forte et qui soit déployée sur toute la ville au service du président de la République, au service des candidats au soutien, qui est une information politique, soutien de l'information, Charon Guinegui, Michel Tabarot. Et moi, je voudrais une petite heureuse de Charon pour rajouter sur moi de toutes mes forces pour le week-end, autant qu'il faudra pour qu'on puisse relever ce challenge qu'on espère tous de nos voeux. Remercier les commerçants pour le déplacement. Et franchement, on en parlait hier au téléphone, Jocelyne a transmis des petites invitations à chaque commerçant et les gens disent tiens, c'est une délicate attention que de se venir avant de voir la permanence, dire que j'ai envie d'abord de vous présenter à vous. J'ai envie que vous connaissiez davantage. Et les gens étaient très touchés de cette démarche et je voulais dire le grand ami aujourd'hui. Voilà. Et remercier Brigitte Vidal, à Jean-Claude remercier André Dupont, qui est la délégation de commerce, et je vais ensemble voilà, des amis qui viennent porter les forces des commerçants qui sont là, comme un très bon ami de Michel. Et monsieur Pérez, voilà, je continue. Clairement, on va faire un petit mot de la délégation. Mais c'est pas que l'idée par Ferrand, mais depuis le début de mon engagement dans cette campagne, il n'a cessé de me dire qu'il était à mes côtés, que Jean-Pierre Leleu me soutenait, que toute l'équipe, avec la présence aujourd'hui de Jean-Pierre Tristan, de Jean-Marc Macario, et que nous nous retrouvons sur une nouvelle circonscription où l'ensemble des parlementaires qui composent cette circonscription ou qui composent encore cette circonscription, eh bien, s'engage pour que l'ensemble des 9 circonscriptions des Alpes-Maritimes reste acquis à notre mouvement politique. C'est un pari, c'est un enjeu, et sur cette deuxième circonscription, il est vrai que l'enjeu est fort. Parce que il y a des habitudes qui n'ont pas été prises, il y a un morceau sur lequel nous sommes, qui est le morceau détenu par Michel Tabarot, une partie de la deuxième circonscription, qui vient se coller à une partie de la 6e circonscription détenue par Lionel Lucas, qui vient se coller à un morceau de la 5e circonscription détenue par Christian Esposi, et sur laquelle j'ai toujours travaillé avec lui depuis 1997, alors que je le soutiens depuis 1997. Cette nouvelle transversalité présente et présentée à mes yeux un véritable pari, un véritable enjeu. Et je crois que depuis maintenant 3 ans que nous travaillons sur ce territoire, on est arrivé à faire l'union, plus de 54 maires qui soutiennent ma candidature sur cette deuxième circonscription. Sur les 10 conseillers généraux, il y en a 8 qui soutiennent également ma candidature. Et que grâce des partis de ce canton important, détenu par Durand, qu'il a conquis l'année dernière dans ce lutte dans la succession de Jean-Pierre Leleu, et sur lequel il faut aujourd'hui confirmer ses résultats, et confirmer ses résultats sur un territoire qui est fragile, parce que ça a toujours été une grosse difficulté que de conquérir ce canton de Grasse Nord, eh bien, c'est un pari qu'il faut arriver à transformer.
l'ouverture de cette permanence, je voudrais te remercier, parce que nous avons beaucoup cherché pour savoir comment on allait se poser sur Grasse. D'abord, Jérôme m'a dit, écoute, si on ne trouve pas, tu viendras dans la permanence de Jérôme Biot, qui deviendra le temps des élections législatives, et bien la permanence de Jérôme Biot. Et puis, si on trouve, ce sera bien qu'on puisse avoir ce complément. Madame Dubreuil nous a fait le plaisir de nous louer ce très beau local, qui est très bien placé, et qui nous permettra de nous engager. Alors, je crois que c'était normal qu'au moment où cette permanence vient à s'ouvrir, je puisse lancer des invitations et bien à tous mes concurrents. Et quand je dis tous mes concurrents, je le dis bien sûr sur le ton de la plaisanterie, c'est ce que je leur annonce chaque fois que je vais les voir, aux commerçants de la place aux herbes et de ceux qui sont installés un peu plus loin, en leur disant, vous avez vu que je viens d'ouvrir un commerce pour vous faire concurrence. Mais nous n'avons pas du tout la même chose. Et partant de là, il est bien évident que pour ceux qui le souhaitent, les commerçants sont pour nous des relais importants. D'abord, sur le plan de la politesse, il était normal qu'on puisse prendre ce petit rendez-vous ce matin. Malheureusement, je sais que les commerçants sont toujours tenus par des contraintes fortes liées à leur commerce. Et puis ce matin, le temps ne se prête pas tout à fait et n'est pas tout à fait de la partie. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est un point de départ à une série de rencontres, à une série de réunions. Et si une partie d'entre eux n'a pas pu venir ce matin, je veux remercier toute l'équipe qui s'est mobilisée autour de Brigitte Bidal, autour d'André Piquet, autour de Jocelyne qui a distribué, mais enfin, on ne va pas rentrer dans le nom de toutes celles et tous ceux qui sont dans ton équipe et qui véritablement se mobilisent chaque fois qu'on fait du traçage, chaque fois qu'on fait une présence forte sur le terrain. Je veux les remercier toutes et tous parce que si j'ouvre cette permanence aujourd'hui, en vue des élections législatives, il est bien évident que nous sommes tous préoccupés aujourd'hui par l'élection présidentielle, qui est la première échéance que nous avons à franchir. Et là, il ne faut pas se tromper, parce que quel que soit le nombre de candidats qu'il y a sur le premier tour, on sait tous que le duel sera entre François Hollande et sera avec Nicolas Sarkozy sur le deuxième tour. Et on sait tous que c'est ce deuxième tour qui sera important à gagner. Alors moi, je vous le dis, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Nicolas Sarkozy. On peut lui reprocher de ne pas avoir fait ce qu'il avait promis. Mais le premier que j'ai cité ne parle jamais avec son équipe, ni de la crise, ni de la dette des nations, ni des difficultés qui ont été réelles et qui ont empêché le candidat de tenir les résultats qu'il souhaitait obtenir. Et le fait que la gauche, que François Hollande ne parle pas de ces éléments-là, c'est qu'ils appuient, ça vous fait mal. Eh bien, moi je dis que si nous n'avions pas eu un président aussi actif, qui soit aux commandes et aux manettes, et qui assume tout, peut-être d'ailleurs, est-ce une erreur de sa part que de tout vouloir assumer tout seul, mais en même temps, que c'est peut-être une erreur, c'est aussi ce qui fait sa force, c'est-à-dire qu'il se préoccupe de tous les problèmes que les Français connaissent, il a envie d'apporter une solution à tous ces problèmes-là, et derrière, je me suis convaincu que nous serions peut-être dans l'état, alors je ne dis pas de la Grèce, parce que c'est peut-être aller un peu plus loin, que nous serions peut-être dans l'état de l'Italie, ou dans l'état de l'Espagne, qui sont des pays qui ont connu véritablement pour le temps du pouvoir d'achat une érosion formidable, qui se retrouve dans une difficulté majeure liée à un chômage qui est encore plus important que chez nous, et toutes ces difficultés-là, eh bien, je crois que nous les avons amoindries par l'action du président de la République actuelle. Alors, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Quand on voit le discours de François Hollande, même si aujourd'hui il s'est momifié dans une espèce de stature présidentielle de candidat, quand je le regardais à la télévision avant-hier soir, comme certainement un bon nombre d'entre vous, on voyait
quelqu'un qui était figé dans un personnage qui n'est pas le sien d'ailleurs, parce qu'il ne ressemble pas du tout à ça, qui fait des propositions qui sont démagogiques possibles, quand on voit les 60 000 fonctionnaires qu'ils ont recrutés, quand on voit les dépenses qu'ils vont continuer à engager, alors que nous savons qu'aujourd'hui la situation est une situation de crise, et si demain on continue à dépenser plus et à augmenter encore la pression fiscale, on amène le pays à la catastrophe. Donc moi je suis de ceux qui pensent que notre président de la République a raison, et dans le document que vous avez là, que vous pouvez lire, alors c'est vrai, Julien me disait tout à l'heure, mais jamais en 2007 il nous a fait un document de 33 pages pour nous expliquer son programme. Mais je crois qu'en 2007 la situation était moins compliquée que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et que les 33 pages qu'il adresse dans cette lettre française, eh bien, il y a les explications des grandes lignes qu'il faut vraiment tenir pour éviter que le pays ne s'effondre et que le chômage ne continue à monter, que l'euro ne continue à poser des problèmes à notre exportation, que notre pays continue à se désindustrialiser et que notre emploi se dégrade. Et l'emploi, on le voit bien, pour ceux qui ont lu l'Ipatien hier, c'est la première préoccupation des Français aujourd'hui. On a beau dire que la sécurité est un problème chez nous, c'est vrai qu'il y a des miracles, c'est vrai que l'action du reste peut être contestée, c'est vrai qu'il y a encore des cambriolages, c'est vrai que, mais nous sommes dans une société qui est devenue une société fragile en certains points, notamment en milieu urbain, donc il ne faut pas le négliger, mais en milieu urbain comme en milieu rural, l'emploi, le travail, ça reste un élément central de notre action, et c'est cela qu'il faut pouvoir remettre en route. Donc le programme de Nicolas Sarkozy est un programme qui ne fait pas photo quand on voit François Hollande et où on sait très bien que les socialistes n'aiment qu'une seule chose, c'est dépenser de l'argent, et à partir de ce moment-là, pour pouvoir dépenser, il faut qu'il fasse soit une politique de déficit public, et là il est temps d'y mettre un terme, c'était la proposition de Nicolas Sarkozy, là on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais la règle d'or c'est quand même bien lui qui l'avait proposé en son temps, et les socialistes n'en ont pas voulu. Ils ont même à un moment donné objecté en disant le Sénat ayant basculé, pour voter la règle d'or, il faudra qu'il y ait un vote conforme à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce vote conforme, vous ne l'aurez jamais, parce que nous nous opposerons au vote de l'Assemblée nationale, qui pourtant la tête des nations, le déséquilibre financier est quelque chose auquel il faut mettre un terme, parce que depuis 30 ans, on est la liste publique en France. Et on ne peut pas continuer à taper dans le capital de façon indécente et inconsidérée. Donc là aussi, c'est une ligne sur laquelle il faut remettre un peu d'ordre. Et je suis convaincu que cette première échéance nous amènera à avoir un résultat qui va se clarifier. Parce que François Hollande a une tendance aujourd'hui à se recentrer et à venir prendre les voix sur une population du centre venant même jusqu'au centre droit. La montée du Front de Gauche va faire que M. Mélenchon existe. M. Hollande, pour récupérer les voix de M. Mélenchon, va être obligé de prendre en compte M. Mélenchon. Et à partir de ce moment-là, il va se repositionner sur ses valeurs de gauche. Et je vois mal les gens qui sont au centre, qui iront sur François Bayrou, qui ne feront pas le vote utile auquel nous appelons. Parce que le vote utile auquel nous appelons, c'est immédiatement, dès le premier tour, un vote sur Sarkozy. Et ces gens-là, qui n'auront pas compris ce message, reviendront au deuxième tour sur notre candidat. Et je pense qu'une partie des gens qui sont allés au Front National aujourd'hui devraient également revenir sur ces valeurs de droite, qui sont les leurs, et ils reviendront sur Nicolas Sarkozy. Et peut-être qu'à ce moment-là, la difficulté qui est la nôtre de voir notre candidat élu par les sondages, et les instituts de sondage sont-ils bien réalistes aujourd'hui? Ils nous exploitent, ils nous expliquent ce que les Français vont voter au premier tour. Ils nous expliquent entre les deux tours ce qui va se passer, les négociations entre les candidats, comment ça va s'arranger d'un côté et de l'autre. Puis ils nous expliquent comment au deuxième tour les Français vont réagir.
Moi, je crois que, sincèrement, il faudra qu'on attende le résultat du premier tour pour y voir clair, savoir très exactement ce que chacun d'entre nous a au fond de sa pensée. Et c'est vrai, il ne faut pas le négliger. La période est difficile, il faut l'expliquer, il faut le dire aux uns et aux autres. Et c'est pas parce que la période est difficile qu'il faut baisser les bras. Au contraire, c'est dans les moments où il faut faire face aux difficultés que nous devons repousser les manches et se mettre au boulot. Vous savez, moi je fais partie d'une catégorie de gens qui sont résolument optimistes. Hein? La différence entre l'optimiste et le pessimiste, je le dis et je le répète à souhait, c'est que l'optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté, alors que le pessimiste voit une grosse difficulté dans chaque opportunité. Eh bien, nous avons des difficultés. Je suis persuadé que ces difficultés représentent une opportunité demain de transformer notre victoire. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on ira sur le terrain pour ces élections législatives et d'expliquer ce que les candidats aux législatives, Michel Tabarot sur la 9e, qui prend une partie de Grasse-Sud, qui conserve Grasse-Sud, ça aussi, hein, il faut l'avoir présent à l'esprit. Charles Ginesi, candidat UMP sur Grasse-Nord, avec cette circonscription qui est en transversalité, et l'ensemble des 9 autres parlementaires, dont Lionel Lucas, Christian Estrosi, Rubissane, Éric Ciotti, Jean-Claude Vibal, Bernard Brochard, Jean-Léonetti, iront pour dire que le département des Alpes-Maritimes est vraiment un département où il y a une classe politique représentative et que l'on continue le combat qui a été le nôtre, de voir des parlementaires à l'Assemblée nationale défendre les intérêts des citoyens. Et quand je dis l'intérêt des citoyens, moi j'entends dire là aussi faire une campagne de territoire, une campagne au bénéfice de celles et ceux qui ont des difficultés. Et à partir de ce moment-là, la permanence que nous ouvrons aujourd'hui servira de point de rencontre thématique avec les professionnels. Que ce soit les commerçants, maintenant je les appelle un peu, mais ils pourront venir me voir quand ils le souhaiteront. Que ce soit derrière les professions libérales, où on fera là aussi avec eux des discussions. On sait qu'il y a des difficultés, par exemple, avec les notaires. On sait que les dernières dispositions qui ont été prises ne vont pas forcément dans le bon sens. Il y aura, pour le parlementaire, une action à avoir pour modifier ce qui n'a pas été fait correctement dans le sens des professions qui, aujourd'hui, ont besoin d'être aidées. Les réunions thématiques nous donneront cette occasion d'échanger. Allez, je vous ai dit que je faisais assez court. Merci à toutes et à tous. Donc, je vais m'arrêter, je pense pas. On a duré pour très très longtemps. Et cette matinée, nous resterons là, je reste là pour toutes celles et tous ceux qui voudraient rentrer dans le détail des questions. On avait prévu avec Jérôme et un certain nombre d'entre vous d'aller faire le marché. Bon, c'est peut-être un peu utile. On a pas mis à côté des escargots. On va donc rester dans la proximité et puis le temps de venir un peu plus, mais bon, on ira se balader. Merci d'être venu. Merci de votre soutien.